Allez, j'ai entendu un retour bip, les 73, la station de la part de Dundee 33. Ah oui, c'est bien ton bip que j'ai entendu. Hachi, trois coups, les 73 à toi. Non, pas aujourd'hui, toi, Hachi. Là, je suis en stage aujourd'hui, là, juste jusqu'à midi, quoi, là, à bord de lac. Fatigué pour ça. Bon, ça va, jusqu'à midi, dans pas trop physique pour commencer la semaine. Putain, non. Puisque là, je m'en vais au centre routier, là, à bord de lac. Donc, ce midi, je vais me faire une bonne bouffe. Mais ça, après tout, je vais rester sur place. Et bien, pourquoi pas. Ah, tiens, ça bouchonne sévère, là, de mon côté, là, sur la National 89, là, en direction de la sortie 26. Ok, d'accord. Eh bien, t'as la partie qui est limitée à 90, là où t'as les panneaux insonorisants, là, sur le côté. Hein. Ah, putain, la vache, il y a deux CQRM ici. Putain, ils sont pas si insonorisants que ça, les panneaux ici. Ah, chie. Ok, mais peut-être qu'en début d'après-midi, je te rends à nouveau en fréquence parce que j'ai pas envie de rentrer aussitôt. Je vais peut-être aller me balader un petit peu. Ok, ça marche. Les 93 à toi, bonne route et peut-être à cet après-midi. Ok, ciao. Merde, il n'y a plus de QRM. Eh ben non. On fait quelques mètres, et ça y est, il n'y a plus un seul QRM. Attention, Coco ou JFK pour Dundee 33 qui vous appelle. Attends, j'ai pas tout compris. Ok, ça marche. Pourtant, il est en journée. Hein. Quoique là, il s'est fait que les horaires n'aient pas coïncidé. Je sais que là, il est au pro. Il n'y a pas de problème. J'ai fait une QSP. Je vous en remercie. Je vous rendrai mon salaire. Allez, merci. Allez, merci. Une bonne journée. Ciao. Ok, tout ça retourné, ciao. Attention, Coco, JFK, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui vous appelle. Ah, ils sont trop loin. Hein. C'est vraiment de la devinette là pour. Ouais. Ils sont là, mais trop loin.
Salut la compagnie, bonne journée. Les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée. Et côté circulation, bon, ça commence à boucher un petit peu dans le sens de la descente, mais ça roule encore. Dans la montée, bah, ça a l'air d'être assez QRO. Station fréquence pour Dandy 33 qui lance appel en bas du pont d'Aquitaine. On est lundi matin. Le week-end a été dur. J'ai entendu quelqu'un se signaler dans le lointain, c'était très très QRP de mon côté, les 73 la station de la part de Dandy 33, depuis la sortie en bas du pont d'Aquitaine, direction centre routier. En tout cas, des stations qui descendent du pont d'Aquitaine, qui vont direction Mérignac, c'est complètement bouché là, visiblement. Hein.
les centres routiers, côté QRM, c'est pas le meilleur endroit. H3K. Ah, j'ai entendu du monde, les 73 stations de la part de Dandy 33 là sur Bordelac. Trop petit ça de mon côté. Ils doivent être en train de rouler. Les 73 à station. Qu'a lancé appel le 73 de Dundee 33. Eh, faut pas avoir peur de prendre le micro, hein, je suis trois coups, on a mangé personne. Ah bah en tout cas, la station là qui a parlé, là, qui a blagouné là, sur, le... sur la fréquence, bah, tu peux voir que s'il y a quand même du monde là-dessus. T'es plus là la station, t'as eu peur du micro? Il y en a un, il s'attendait pas à avoir une réponse. Il était en train de blaguer en fréquence, je lui ai répondu, silence radio, il a eu peur. Eh, la station, faut pas avoir peur de la boîte qui parle. Ah bah c'est pas grave, bonne journée à toi quand même et bonne route. Ils ont dit qu'il y aurait des bouchons. Sur la route, je pense. Ah, la bonne route à vous, les stations, de la part de Dundee 33, là, en ce moment, là, sur le parking du centre routier Bordelac. D'accord. C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir.
Non, non, il n'a pas changé de voix. Hachi. Ok, ça marche. Merci quand même. Bah, c'est bien normal. J'étais en train justement là, de regarder, j'étais là sur mon téléphone en train de regarder des conneries. Hachi. Quand justement je vous ai entendu et j'ai vu que t'avais pas entendu la réponse de ton collègue. Alors j'ai vite pris le micro pour te faire le QSP. Ah, moi je suis là-dessus depuis 1982. Ok, ben on a le même âge. Ah, c'est ça, oui. Bah. Et à l'époque, tous les camions de la City, c'est fini la City, il y a les téléphones. Non, non, c'est pas fini, c'est pas vrai. C'est devenu un peu plus confidentiel. C'est tout. Et la plupart des mille pattes, ceci, cela, qui sont toute l'année sur leur canal habituel, sans même revenir sur le 19. Ils sont entre eux, mais ils sont bien dessus. Quoi. Il suffit de regarder, par exemple, sur le forum Fier d'être routier, par exemple. J'y suis dessus. Hein, et, comme sur d'autres forums, la planète CB francophone, sur les réseaux sociaux, on voit la CB est vachement active de tous les côtés. Quoi. Là, la seconde même, je suis sur le parking là, du centre routier Bordelac. Là. Je suis en voiture. Oh, ça passe bien, bon tant mieux, parce que là je suis qu'avec la puissance du poste, hein, c'est tout. Hein. Si, ça revient quand même pas mal. Hein. Si tu regardes sur Facebook, par exemple, tout ça, tiens, par exemple, j'ai mon groupe là, sur Facebook, la planète CB francophone. Voilà, si tu regardes dessus, tu verras, c'est pas mal actif. Il y a d'autres groupes CB aussi là sur les réseaux sociaux, où ça parle énormément de CB. En plus de ça, là, en ce moment, on voit que la propague commence à revenir. Et oui, là, on commence à remonter doucement. Donc, les stations, ça commence à les chatouiller. Hachi, pas mal, commence à se rééquiper là, tout doucement. Là, c'est bien parti. Là. Ah ben le poste là que j'ai là dans la voiture, dans le push, c'est un CRT 7009 si tu connais, c'est un poste multimode. Ok d'accord je vois, par contre là je suis en train de te perdre tout doucement, hein, tu dois en train de t'éloigner là. Ok, je t'entends presque plus, la bonne route à toi ainsi qu'à ton collègue et à la prochaine sur la route. Et eh ben voilà. Alors je sais pas si vous avez remarqué, ça pas du tout dérangé que je lance pas de break. Ah, pour la petite anecdote, à chaque fois quand je lance un break comme ça sur des QSO routiers, hein, purement routiers, ben on répond pas forcément. Les stations, les mille pattes, se sont pas forcément concernées. Hachi trois coups. Là, je lui ai fait le QSP là directement. Eh bien, pas de problème, ça marche comme ça. Hachi, on va dire que c'est notre façon de voir. Hachi, trois coups. En tout cas, comme ils ont pu le voir aussi, eux là-dessus, qui, à mon avis, restent tout le temps sur leur canal habituel, bah si, il y a toujours du monde, bien entendu, la preuve. Copy.
Coudin 56 est dans le coin. Passei o fim de semana fora, eu e o Carlos Martins. Attention la belette au centre pour Dundee 33 qui vous appelle. Il est 14h05, il y en a, il faut la sieste, là, c'est clair. Ah, je suis trop cool. Hop, j'ai entendu quelqu'un. Je suis au niveau de la... ça doit être la sortie 10. Ouais, je suis au niveau de la sortie 10. Hein. La 73, la station de la part de Dundee 33. Bonjour. Ah, c'est compliqué à entendre. C'est très compliqué à entendre la station. Hop, là, j'ai fait louper mes sorties. Ouais, j'ai énormément de mal à t'entendre. Ouais, c'est très, très, très QRP de mon côté. C'est très petit de mon côté. Voilà, je suis au niveau du Buffalo Grill, là, sur la rocade de Bordeaux. Ah, puis là, je viens d'avoir une montée de QRM, là, ici, là, sur le QTH. Bon, ben, c'est pas grave, les 73 à toi à la station, et bon après-midi. Et peut-être à tout à l'heure, en fréquence, on sait jamais. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, QTH Bordeaux-Mérignac. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sud-ouest France, QTH Bordeaux-Mérignac. Attention, la belette pour Dundee 33 qui te lance appel depuis Mérignac. Il n'y a pas un pet de QRM.
turbine de la Belette dans le lointain. Allez la Belette, si tu m'entends, je suis là à hauteur là, de la clinique Jean Villard, là sur la rocade. Pas sûr qu'ils m'entendent. Attention, Daniel Senteur pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, la Belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Ouais, là ça y est, je t'entends à nouveau. Re, je suis au niveau du chantier là sur la rocade. Ok, non mais t'as bien raison, hein, y a pas de problème. Comme ça, moi j'en ai profité pour faire un petit tour de galette et voir un petit peu ce qu'il y avait à droite à gauche. Bon là, à la minute même, c'est un petit peu calme. Putain, par contre, au niveau de la circulation, la vache, ça se gâte là sur la route. C'est pas mal embouteillé au niveau là du chantier, de l'élargissement de la rocade. Ouais, mais là je suis dans le sens intérieur en direction du pont d'Aquitaine. Pardon, excuse-moi, Rémi, reviens, j'ai pas entendu. Ah bah bordel, H3 trois coups. Je disais que là, je suis dans le sens intérieur, je suis en direction du pont d'Aquitaine. Voilà, là, en plein à la hauteur du chantier, en direction du pont d'Aquitaine. Ok, bon, je te vois plus, je te confie mal parce que j'ai retracé par deux devant moi. Ok, puis j'imagine que là où tu es, tu vas avoir du QRM. Excellent. Bon, je suis pas loin de quoi moi en fait, moi j'en sais de rien, moi je suis pas loin de la sortie 4. Voilà, j'aperçois le pont d'Aquitaine droit devant moi. Bon alors, vu d'ici sur le pont, ouais bon, de toute façon, ça va rouler quand même. Ah tiens, tu parles de la Foire Expo, j'y suis allé hier. Bon, c'est pas mal, c'est toujours intéressant à voir. C'est toujours intéressant à voir, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a des choses positives, d'autres un peu moins, mais bon, franchement, ça va être bon, parce que toujours sur les mêmes choses, hein. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, après, il faut s'en faire sa propre opinion, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai moins aimé de d'autres. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on retrouve tous les ans, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Bon, évidemment, tu te fais harceler par les vendeurs et tout, mais bon, si on veut pas se faire harceler, faut pas aller dans les trucs comme ça, hein, chez trois coups. Bon, là, le plus intéressant, on va dire, c'est la partie découverte de cette année, c'est le Japon. Bon, c'est toujours intéressant à voir, hein, ça permet de voir un peu de nouveaux trucs, un peu de dépaysement, voilà. Tout ça pour juste dire ça. Donc. Putain, la vache, je suis sur Aquitaine en plein noyé dans les QRM. Hein. Putain la vache. Ah,
Ok, si j'ai bien vu de mon côté, ouais, c'est un Santiago de 5 par là. Bon, ça, toi, il n'y aurait pas de QRM, là, ce serait pas de la de 5, hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je suis en train d'arriver à la première pile en haut du pont d'Aquitaine. Voilà, je suis en plein sur le tablier. Là, tu m'entends bien, là, je pense quand même. Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'aiguille, elle a fait 5 fois le tour du cadran. Ah, chi. Ah, tu m'étonnes, t'as bien raison. Ça sert à rien, ce truc-là. Putain la vache, attends. Voilà, je vais te fermer la fenêtre. J'avais une autre source de QRM là à côté de moi. J'ai fermé la fenêtre, ça va mieux là. Toi aussi, tu trouves qu'il fait chaud aujourd'hui? Moi, c'est pareil, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. C'est... je sais pas, va falloir se pencher sur la question. Pourquoi il fait chaud et d'où ça vient? Réchauffement de la planète? Ils auraient mis le chauffage intégré au sous-sol? Ah, c'est le nombre de one, alors quand même, vous lui faire confiance, ce homme-là, avec ta gueule de con. Aïe, aïe, allez, ça c'est envoyé. C'est pas bien, alors on va nous mettre un petit certainement. Bon, c'est un volontaire, s'il te plaît, oui. Oh, tu es en quelle direction là? Là, je vais attraper la rocade est, la sortie 1. Mais là, je vais attaquer la route de Fès, je monte sur Créon exactement. Là, je vais attaquer la grande ligne droite et tous les ronds-points au niveau de Fès. Ah oui, je vois où tu es. Ok, d'accord, ok, ça doit être la sortie, je sais plus, 25 ou 24. Et là, qui est pas très loin de ce côté-là. Moi, je suis attrapé par contre la sortie 26. Hein. Bah, direction Libourne. Libourne, et puis après, direction Castillon. Ouais, informatif. Bon, il y en a un là qui nous a un petit peu... Enfin, il y en a un qui m'a un petit peu moustaché. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Putain, puis les camping-cars sont sortis. Putain, la vache, j'en ai un beau là devant moi, là. Ouais, la station des 73, la part de Dindic 33 en compagnie de la Belette. Vous avez parlé tous les deux en même temps. Depuis 10h30 j'y suis, j'ai mal à la tête. Eh bien là, je viens d'arriver au feu de la sortie 26. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Pour avoir moins de QRM dans le push, je ferme la fenêtre, mais c'est pas le bon plan du tout. Il faut mettre la clim dans le booster. Ben justement, justement, j'ai l'air d'un con. Ah, ok, ben moi j'ai la clim, mais elle est pas rechargée, donc ça marche pas.
Bon, ben ça va, je vois qu'il y a pire que moi, quoi. Excellent, gars. Voilà, je vais pas tarder à passer au-dessus de la rocade. Alors, 1, 2, 3, je m'en vais sur le bois. Voilà, je suis au-dessus de la rocade, direction eh bien, la nationale 89. Ok, d'accord, tu me vois pas là, carrément perché en haut de l'antenne de Bouillac. Regarde bien, je suis en train d'agiter le bras là avec l'antenne que je tiens à bout de bras. Merci. Non, mais en plus, j'ai tourné le regard quand t'as dit ça, mais je regardais vraiment quoi. Le con, le mec, hein. Ah chi. Allez, allez, on va mettre ça sur le compte de la chaleur, hein. Ah chi, trois coups. Ah, c'est ça, il fait trop chaud, on déconne. Et toi, la boulette, t'es le rouge, j'ai tout entendu. Et là, je suis sur un gros fromage en plus de la pente de la pâtissière, je suis sur le feu. Si vous laissez avant de vous perdre complètement là, moi je vais sur Camplade, voilà, donc je pense que je vais vous faire un petit peu. Et bonne continuation les gars, moi j'écoute derrière, et puis dans un peu, bonne fin de journée. Ok, merci à vous, journée du bon de la Fontaine et plaisir, c'est un moment. Je rentre en temps de mettre fier, précisément. Ok, je reprends. Ok, c'est bon. Ok, les bonnes 73 à toi, voilà, et bonne journée à toi, bon bricolage, et te donne pas trop mal à la tête, surtout, hachi. Ok, bonne journée, les gars, ciao. Ok, ciao. Là, il l'a eu en stéréo, le ciao, là, je crois. Bon, là, moi, c'est à l'entrée de farm, D'accord, ben là je suis dans le virage là où il y a tous les panneaux insonorisants là sur la nationale 89. Voilà, j'arrive à la hauteur de la sortie 2, c'est-à-dire la sortie Arctique 13 Pompignac Ivrac. Voilà, je suis à ce niveau-là. Je vais aller plus vite que toi, ouais. Ah ouais, d'accord. Je vais arriver avant toi, ouais. Mais fais-toi, le panneau suivant, il y a marqué interdit au poids lourd. Désolé, de t'as roulé dessus. Ah chi, t'as résolu le problème alors. Bon, allez, je vais laisser ma sortie. Ok, ça marche. Les mains sont très à toi. Je sais pas quand je reviens sur Bordeaux, puisque... Ah ben ce week-end ça va pas être la peine, tu seras pas là. Jeudi pas grand chose. Jeudi, j'assis, je suis sur un site en journée là, du côté de Saint-Émilion, pas moins de ce côté-là. Ok, eh ben, les bonnes 73 à toi. Profite bien du soleil, reste à l'ombre et à la prochaine. Ok, t'as tout compris, ciao. Et Nico, si t'as un confinement, bonne soirée, à bientôt, ciao. Ah, apparemment, il nous entend plus. Les 73 sont tournés également, à plus. Allez, à plus, je vais faire place, ciao.
quelque chose, mais c'est vraiment caché dans le lointain. Peut-être du local, possible. CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 vers Interumi, en mobile sur le département de la Gironde, QTH, Castillon-la-Bataille.